Donc ça, c'est un travail qu'on est en train de faire aussi avec les mêmes Autrichiens qui ont été mentionnés par Christelle tout à l'heure. Donc essentiellement Sebastian Will et Stefan Hammer. Et c'est un travail aussi qui avait été fait en collaboration avec Wei Wang, qui vient de soutenir une thèse à Paris Sud et qui maintenant est de retour en Chine. Alors, qu'est-ce que je voulais raconter? Déjà, d'une part, merci Christelle d'avoir un petit peu défloré tout le contexte biologique. Je pense que je ne vais pas trop m'attarder dessus. Tout ce que je vais vous dire, c'est que tout à l'heure, on a évoqué R-femme. R-femme, c'est une classification en famille des différentes fonctions, des différentes séquences obtenues, disons, par des techniques expérimentales dans le contexte de l'ARN. C'est une classification fonctionnelle. Et là, actuellement, elle atteint quelque chose comme 3000, enfin là, on sait 2015, mais actuellement, on est à plutôt de l'ordre de 3000 familles différentes. Donc il y a une diversité fonctionnelle de l'ARN qui est très très riche et qui justifie de bien comprendre quel est le rapport entre la séquence, la structure, etc. Et puis peut-être même essayer de jouer un petit peu à Dieu en fabriquant vos propres séquences à façon. Et c'est un peu l'un des objets de cet exposé. Donc comme on l'a vu, on peut minimiser l'énergie d'un ARN. Alors on l'a vu dans des modèles très très simples, peut-être avec on a vu des récurrences pour les paires de bases, mais en fait on peut faire pareil pour des modèles d'énergie plus complexes, juste des décompositions qui sont plus complexes. Mais dans tous les cas, on arrive à s'en tirer en faisant de la programmation dynamique pour prédire, par exemple, le repliement d'énergie minimale en temps n cube. Moi, le problème qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le problème inverse. Alors il y a plusieurs façons de le définir. La version plus algorithmique combinatoire, c'est un problème vraiment d'optimisation inverse. Vous avez une structure à laquelle vous souhaitez arriver, donc cette structure, c'est une structure secondaire, comme ce que nous a raconté Christelle. Et maintenant, on va essayer de concevoir une séquence qui se replie de cette façon-là. Alors, ça, c'est un problème qui est difficile, pour lequel il n'y a que des heuristiques qui existent. Et ce qui est même intéressant, c'est que jusqu'à très très récemment, on ne savait même pas si le problème était difficile d'un point de vue combinatoire. Et c'est pourtant une communauté qui s'intéresse beaucoup à des problèmes de complexité classique, etc. Beaucoup de gens ont regardé, sont un peu cassés les dents, et il semblerait qu'il y ait une solution qui serait présentée justement à Ricombe. C'est pas de la pub déguisée, mais c'est le premier papier un peu satisfaisant en termes d'analyse de complexité. Donc voilà, je pense qu'il y a un papier sur Archive actuellement qui vous expliquerait ça mieux que moi. Probablement parce que, pardon, c'est un problème qui est très dur à attraper. Et donc pour la conception des gadgets, il y a encore une petite restriction. C'est difficile de savoir si, enfin c'est très convaincant a priori, mais il se pourrait que ça, dans le petit détail, en fait il y a quelque chose qui vienne contredire. En gros, la seule contrainte qu'ils mettent, c'est qu'ils font le design d'une séquence et certaines des positions dans la séquence sont bloquées. Et c'est la seule contrainte qu'ils mettent, ce qui me paraît relativement honnête, mais ce serait bien de pouvoir étendre à une absence totale de contrainte, et apparemment ils sont sur le coup aussi. Bon, alors, la structure secondaire, on n'en a pas finalement énormément parlé, en tout cas en tant qu'objet combinatoire. C'est effectivement, dans la version planaire, sans croisement, on peut le voir comme un graphe à hauteur planaire, qui a comme propriété d'être hamiltonien, d'avoir un degré max qui est inférieur ou égal à 3, d'être deux connexes. Bon, ça c'est juste si on s'amuse à fermer ce genre de choses. On peut s'intéresser à ce qu'on appelle le dot plot, qui est juste la matrice d'adjacence, en fait. Hein. Ou la version probabiliste de la matrice d'adjacence quand on est dans une distribution de Boltzmann. On peut aussi représenter ces ARN comme des graphes de cordes. Peut-être plus près de là d'où on vient, il y aurait des mots de Motzkin avec des codages comme des parenthésages bien, enfin des mots bien parenthésés avec un point. Des séquences arc annotées, puisque à partir d'un parenthésage comme ça, on a une correspondance non ambiguë des positions ouvrantes et fermantes. Et puis derrière, une bijection aussi avec les excursions, en unidimensionnel, avec des pas montants, descendants et puis horizontaux. Donc je vous raconte ça rapidement d'une part parce que cette diversité de représentation, elle a un peu inspiré les développements algorithmiques dans le contexte de l'ARN, et aussi parce que je vais utiliser certains de ces dessins de façon interchangeable, donc que vous les ayez vus une fois. À ces modèles-là peuvent s'ajouter des contraintes supplémentaires. Donc, des fois, on peut s'amuser à autoriser certains types de croisements ou pas. On peut s'autoriser à dire que, par exemple, deux positions appariées comme ça sont forcément délimitées par au moins un certain nombre de positions non appariées. Et ça revient au fait que, dans la vraie vie, ça revient en fait à une espèce d'épingle à cheveux au niveau de la 3D. Quand vous avez deux positions qui sont très proches l'une de l'autre, en fait, il y a des problèmes d'inégalité triangulaire qui font qu'on ne peut pas directement apparier des positions.
on ne peut pas directement apparier des positions consécutives. Il faut laisser un peu de mou. Alors, ce que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est un cas un peu particulier du design, dans lequel on s'intéresse à faire le design d'une séquence qui respecte plusieurs structures simultanément. Il y a des vraies motivations derrière, en fait, y compris des choses qui ont été synthétisées en labo, je vais vous en raconter une là, sur laquelle travaillent nos collaborateurs. Donc on a ce qu'on appelle un riboswitch, c'est une structure d'ARN qu'on trouve naturellement dans une certaine conformation qui empêche la traduction, donc l'expression du gène sous la forme d'un ARN. L'expression de cet ARN sous la forme d'une protéine. Donc quand vous laissez votre ARN se replier correctement, vous l'observez comme ça, et vous n'arrivez pas à l'exprimer. Par contre, quand vous rajoutez, donc ça je crois que c'est une théophylline, un petit ligand, un petit composé chimique, alors cet ARN finalement augmente une barrière d'énergie quelque part, et on le retrouve plus favorablement dans cette conformation-là. Et donc, d'un point de vue design, si on veut concevoir maintenant des objets synthétiques, des ARN synthétiques qui jouent ce rôle de flip-flop, on est obligé d'assurer que notre ARN soit capable à la fois d'adopter cette structure-là et puis cette structure-là, par exemple. Et on peut même être un petit peu plus fin, on peut vouloir qu'il existe ce qu'on appelle un chemin de repliement, c'est-à-dire toute une hiérarchie de structures qui offre un espèce de gradient naturel vers une structure vers laquelle on veut arriver. Et donc, le problème minimal un peu auquel on s'adresse, du coup, c'est de concevoir une séquence qui satisfait un ensemble d'appariements possibles, qui sont potentiellement entremêlés. Donc voilà, une autre instance minimale, ce serait celle-là. Vous avez trois structures, on peut les représenter de cette façon-là, et du coup, on va avoir un réseau de contraintes associées dans le design, puisque vous avez vu tout à l'heure que quand deux positions sont appariées, on ne peut pas forcément leur donner n'importe quelle lettre dans le monde de l'ARN. Donc notre objectif initial, et c'est quelque chose qui avait déjà été regardé par d'autres travaux que je vais un petit peu mentionner en détail plus tard, c'était d'engendrer aléatoirement des séquences sous contrainte. Donc on veut que les séquences soient valides pour toutes les structures cibles. Donc on veut que, par exemple, quand il y a un appariement entre ça et ça, les lettres qu'on va trouver à ces positions-là correspondent à des paires de bases valides, donc AU, UA, CG, GC, GU et UG. Je vais vous présenter ça dans le détail un peu plus tard. On veut une forme de stabilité, c'est-à-dire que les énergies qu'on a évoquées tout à l'heure, elles sont influencées à la fois par la structure, mais aussi par la séquence. Et donc pour une séquence donnée, on va jouer sur la structure sur l'énergie que va adopter cette structure. Et donc par exemple, on peut vouloir que ces trois structures aient des énergies libres comparables pour les séquences qui sont engendrées. On veut des choses qui sont peut-être plus faciles d'un point de vue combinatoire, mais qui sont plus compliquées d'un point de vue algorithmique des fois. On veut contraindre la composition des séquences qu'on engendre. Donc on veut par exemple que le nombre de GC soit prescrit. Il y a des raisons derrière. Sur lesquelles je ne vais pas revenir, on veut exclure, forcer des motifs parce qu'ils sont associés à des fonctions qu'on n'a pas envie de faire adopter à notre ARN. Et donc l'approche qu'on utilise, qu'utilisaient nos prédécesseurs, c'est aussi la programmation dynamique. Donc là, on va commencer par compter les séquences qui marchent bien et ensuite les engendrer. Et donc on se pose un problème de comptage dans un premier temps. Ok, alors le comptage c'est facile. Si on est juste dans le Watson-Crick, on a le droit aux paires de bases AU, UA, GC, CG. Et si on a une seule séquence, à ce moment-là, on peut définir des séquences valides comme étant des séquences pour lesquelles tous les appariements sont valides, appartiennent à cet ensemble-là. Donc par exemple, là, GC, ça marche, UA, ça marche, etc. Une séquence invalide, c'est celle qui va contenir au moins un appariement qui ne marche pas. Donc là, par exemple, ici, vous avez un AG, c'est pas une paire valide au regard des règles que j'ai données là-haut. Ok, donc première question, combien de séquences valides pour une structure? Ça devrait pas être trop compliqué pour vous. Je pense que vous allez vous en tirer, donc on regarde les ondes appariées, 4 puissance n, pas de contrainte, on regarde les appariées, à chaque fois qu'on instancie une position, on a instancié la deuxième, et donc du coup, on se retrouve avec du 4 puissance nombre de paires fois 4 puissance nombre de nombres appariées, c'est-à-dire beaucoup. Ok. Qu'est-ce qui se passe si maintenant on rajoute une deuxième structure? Alors le premier truc qui est marrant, c'est que quelque part, t'as que des cycles et des chemins, parce que maintenant tous les nœuds sont de degré 2, donc il peut pas y avoir des structures plus compliquées comme des arbres, des choses comme ça. Et en particulier, il y a toujours du coup au moins une séquence compatible, enfin même au moins 4 sans doute, pour tout ARN de taille non nulle, parce que en fait les cycles ici, vous les voyez, ils alternent et ça correspond en fait à l'alternance gauche-droite que vous voyez dans votre graphe d'appariement. En d'autres termes, donc le graphe d'appariement est biparti, notre graphe de dépendance induit par les deux structures est biparti, donc il n'y a pas de problème et on peut toujours choisir finalement d'instancier n'importe quelle position dans une composante fortement connexe, ça va caractériser tout le reste.
Donc j'avais toute une animation pour ça, mais au final, voilà, ça c'est la formule et tout va bien. 3. 3. Là, il peut commencer à se passer des trucs pas terribles. En particulier, il peut y avoir des cycles impairs. Un cycle impair, qu'est-ce qui va se passer? Bah, on va pas être capable de le designer parce que, en gros, on va se retrouver en A, U, A, par exemple, pour 3. Et bah, A versus A, ça perd pas, et donc on n'est pas dans une paire de base valide. Donc il faut déjà, donc ça voilà un cycle de longueur 3 dans ce graphe, il faut au moins qu'on soit biparti. Bon, maintenant je supprime la paire de base qui va bien, on est biparti de nouveau, combien il y en a? C'est pas très très clair. On a une décomposition en composantes fortement connexes, on a vu qu'elles étaient relativement indépendantes les unes des autres, donc là probablement il y aura un produit quelque part. Mais par contre, quelle est la contribution de chaque composante connexe? C'est pas tout de suite immédiat. Bon, alors, qu'est-ce que je raconte là? Non, n'importe quoi, bon, je sais pas ce que j'ai raconté là. Ah oui, pardon, excusez-moi. Quand on est que sur AUGC, c'est trivial, puisqu'effectivement, la caractérisation d'une position caractérise toutes les autres positions de la composante. Il y a un modèle un peu plus compliqué qui vient et je me suis emmêlé les pinceaux. Ok. Maintenant, et c'est important, on va autoriser la paire GU. Ok? Ça a l'air de rien, mais ça va faire une certaine différence. Et c'est pas une construction pour rigoler, c'est vraiment, ça fait partie des règles qui sont, des paires de bases qui sont admissibles dans le contexte de l'ARN. Donc là, maintenant, pour une, c'est pas très intéressant, on se retrouve avec du 6 non apparié, 6 puissance nombre de paires de bases, 4 puissance nombre apparié. Bon, ok. À partir de 2, ben, là, tout ce qu'on a, c'est qu'on a une décomposition en cycle et en chemin, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais on ne sait pas très bien combien il y a de façons de décorer de façon valide les cycles et les chemins. En particulier, il y a plus de degrés de liberté maintenant, puisqu'on a les GU qui sont autorisés. Bon, alors ce qu'on peut dire, c'est que le nombre de séquences valides est égal au produit sur toutes les composantes connexes du nombre de séquences valides. Bon. Et puis on va essayer de rentrer un peu dans le détail. Et il s'avère que, alors, pour les chemins, le nombre de séquences valides, c'est 2 fois Fibonacci de n plus 2 pour une taille n. Et puis pour les cycles, c'est ce truc-là, qui est une combinaison de Fibonacci. En fait, c'est pas du tout étonnant, hein. C'est-à-dire derrière, vous avez un automate dans lequel on peut repérer des symétries. Alors, c'est ce que j'ai fait là, bon. Et puis après, quand on fait le calcul, que je vous épargne, on trouve les Fibonacci parce qu'essentiellement, alors c'est quand même, je vais peut-être vous expliquer la symétrie parce que ça peut être important pour la suite. Ce qu'on fait, grosso modo, c'est qu'on se balade dans le graphe de compatibilité ici, hein, et puis on voit qu'il y a deux types de lettres. Soit on est en A ou en C. Et qu'est-ce que j'ai raconté là? Oui. Soit on est en A ou en C, soit on est en U et en G. On voit bien qu'il y a une bijection entre les langages suffixes partant de A et de C et de G et de U. Mais il n'y a pas forcément équivalence des G et des U. Bon. Mais je pense qu'il y a un... Oui. En fait, la seule truc qu'on n'a pas le droit de faire ici, c'est de mettre ce que j'ai appelé une lettre noire, qui est un A ou un C, à côté d'une autre lettre noire. Okay? Et c'est de là que viennent en fait les Fibonacci, puisqu'en fait, finalement, on a une espèce de pavage par des monominaux dominos derrière. Quoi. Donc c'est pareil exactement avec les cycles, avec un automate un petit peu plus compliqué, mais qui matérialise juste le fait qu'il faut se souvenir de si on a commencé par un blanc ou un noir, auquel cas on aura une contrainte de fermeture quelque part, c'est tout. Ça se simplifie et on retrouve de nouveau des Fibonacci et on est content. Et donc à la fin, on a une formule, alors close, selon une définition voilà, calculable, disons, du nombre de séquences compatibles. Ok, donc là, ça nous donne un nombre, on est content de ce nombre et voilà. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce qui se passe quand on est 3 ou plus? Alors, ce qui se passe, c'est un petit peu plus tordu. Bon, alors évidemment, le premier truc qu'on peut dire, c'est que si on n'est pas biparti, c'est foutu, parce que ce graphe, malgré la paire de base en plus, il reste biparti. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est, bon, on va se concentrer sur une composante fortement connexe, par exemple celle-là, ok? Et puis on va essayer d'un petit peu voir ce qui se passe, mais peut-être dans un premier temps, je vais vous rappeler un peu ce qui a été fait par les voisins. Donc les voisins, ce qu'ils utilisaient, c'était un épluchage de graphes en chemin élémentaire avec un cycle, c'est un truc qui s'appelle la décomposition en oreille, ear decomposition, sur lequel ils avaient une équation de récurrence. Et dans cette équation de récurrence, il y avait un terme exponentiel qui induisait une complexité en 4 puissance, le nombre d'attachements max sur un cycle. Je n'ai pas le temps de vous raconter exactement ce que c'est que ces histoires d'attachement, mais je peux positionner ce paramètre-là par rapport à d'autres paramètres assez bien connus et peut-être plus traditionnels, donc je vais faire ça plus tard. En tout cas, il y avait une complexité en 4 puissance A,
Et donc on s'est un peu demandé, mais est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'on peut étendre ce truc? Essentiellement, est-ce que c'est bien optimal? Est-ce qu'on peut trouver des astuces pour essayer de baisser la complexité? Est-ce qu'on peut déterminer donc des extensions et donc en particulier essayer d'aller engendrer des séquences qui sont plus favorables du point de vue de leur énergie? Et puis, peut-être même dans un premier temps, est-ce que c'est bien nécessaire d'avoir cet algo exponentiel pour un truc qui pourrait très bien être polynomial, quoi? Il n'y avait pas de preuve en fait de difficulté. Et donc maintenant, on peut s'intéresser à un cycle que j'ai marqué en rose ici, qui correspond à cette composante dans le graphe de dépendance. Et puis on peut un peu se faire la remarque suivante. Imaginons qu'on essaye de construire en fait une séquence qui va bien. Bah pour cette position-là, imaginons qu'on prenne une lettre noire, enfin ce A, quoi. Ça veut dire que les trois positions avoisinantes sont forcément blanches, d'accord? Parce que ici, on peut pas sortir, enfin, on est obligé de sortir sur une blanche. Et puis bon, voilà, on peut continuer à choisir des blancs, des noirs. À chaque fois qu'on choisit un noir, on a instancié d'une certaine façon les deux positions, etc., etc. Et donc maintenant, si on s'intéresse qu'aux positions noires, ben on voit un petit peu instable dans le graphe, quoi. Voilà. Et du coup, en fait, il y a une relation très forte entre compter le nombre de séquences valides et le nombre de stables dans le graphe. Donc je vous passe la bijection, enfin c'est une bijection à une symétrie près là aussi, il faut que là-haut on contraigne à prendre des valeurs que dans U ou dans C, mais sous couvert de ça il y a vraiment une bijection 1-1 entre les stables et les séquences valides pour une composante connexe. Alors ça a des conséquences, bah déjà c'est cool, on a trouvé une relation entre deux objets qui n'était pas forcément évident, en particulier le fait que les règles d'appareillement de l'ARN, elles sont pas du tout issues des maths, donc il n'y a pas de raison a priori que les choses se passent bien, mais il se trouve que là ça se passe très bien. Ça a aussi une autre implication, c'est que bon maintenant on peut calculer donc à partir des composantes connexes le nombre de séquences valides pour un graphe de dépendance. Mais le truc, c'est que... Alors, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est ça. Mais le nombre de stables, de calculer le nombre de stables d'un graphe, c'est un problème qui est d'ISP difficile sur les graphes bipartis. Et donc, a priori, notre problème est d'ISP difficile. Donc, c'est pas compliqué. Hein. Grosso modo, j'ai vu qu'il y avait un rapport 2 entre le nombre de stables et le nombre de séquences valides. Donc, si on avait un algo polynomial pour calculer le nombre de séquences valides, on aurait un algo polynomial pour le nombre de stables. Et en particulier... Ça impliquerait que P égale NP, ce serait encore plus fort dans un sens. Bon. Donc du coup, c'est quand même un problème a priori un peu difficile. Il y a aussi d'autres aspects, un peu plus de génération aléatoire. On pourrait dire, mais finalement, si le but c'est la génération aléatoire, est-ce qu'on avait vraiment besoin de compter pour commencer? Les graphes sont quelconques? Oui. Avec suffisamment de structures, ils deviennent quelconques? Oui, et aussi, si tu autorises les croisements, avec exactement K structures, tu fais tous les graphes de degré K. Donc c'est... Parce que tu sais, c'est le théorème de Wiesing que je mentionne ici, qui dit que tu peux effectivement décomposer tout graphe biparti. Sinon, c'est k plus 1. Enfin bon, voilà. Et puis il y a tout un tas de résultats. C'est quelque chose qui est très étudié en fait, le nombre de stables, le comptage des stables dans un graphe. C'est vraiment presque une catégorie de complexité en soi au regard de l'approximation du comptage. Et donc en particulier, il y a, semble-t-il, mais là c'est vraiment, ça reste à l'état de conjecture. J'avais promis à des gens hier soir que j'irais regarder et essayer de fermer ça, mais j'ai pas eu le temps. Probablement, ça veut dire que la génération aléatoire dans une distribution epsilon approchée, enfin à epsilon de l'uniforme, c'est un problème qui est aussi difficile que de compter les stables dans un graphe général. À partir de 6 structures, en dessous de 5 structures, il existe un algo qui permet d'approcher ce truc-là autant qu'on veut, et donc probablement on pourrait faire de la génération aléatoire avec une méthode ad hoc. Ok. Alors du coup, ce qu'on a proposé avec nos collaborateurs, outre ce résultat de complexité, bon, qui est juste un peu déprimant, mais enfin on aime bien être maso en info, donc voilà, c'était une approche basée sur de la décomposition de graphes, donc de la décomposition arborescente, de façon à faire de la génération aléatoire uniforme, mais aussi dans une distribution de Boltzmann multidimensionnelle. C'est quelque chose qu'on avait... Peut-être c'est pas forcément la meilleure façon de le nommer, mais c'est juste le fait d'introduire des poids et de générer dans une distribution pondérée. Ça marche bien pour les poids additifs. Ça a tendance à induire des jolies gaussiennes qu'on peut déplacer. Et ensuite, une fois qu'on les a bien déplacées, faire du rejet de façon à contrôler des paramètres qui nous intéressent, comme par exemple l'énergie de nos structures. Et je sais pas s'il me reste le temps, un petit peu de temps. Ouais, bon. Bizarre. J'ai pas du tout vous dire, alors. Bon. Ok, bah alors du coup, je vais vous dire rapidement ce que c'est que la décomposition arborescente. C'est un peu compact parce que j'avais pas trop tout à fait prévu de le dire, mais c'est vraiment pas dur en vrai.
Donc on part d'un ensemble de structures cibles, très rapidement on oublie ces structures, on arrive au graphe de dépendance, c'est ça l'objet principal. Et donc là la contrainte, c'est dans ce graphe de dépendance, si je donne une affectation à ce nœud-là, ça contraint les affectations des voisins. D'accord ? Donc on va se munir d'une structure qui est arborescente, parce qu'on sait bien traiter les arbres, notamment en programmation dynamique, mais aussi qui capture d'une certaine façon toutes les contraintes induites par les adjacences dans le graphe de départ. Et moralement, c'est ça une décomposition arborescente. Alors plus précisément, ça va être un arbre, ok, pas de surprise, dans lequel chacun des nœuds est constitué d'un sous-ensemble des positions dans mon graphe, des nœuds dans mon graphe, mais là il y a deux types de nœuds, donc je vais appeler ça des positions. Donc là, ici, c'est B. Ici, on, en fait, finalement, on passait de là à là, on rajoute E. Donc maintenant, c'est EB. Ensuite, là, on rajoute D, ça fait DBE. Et puis là, on rajoute A, mais entre-temps, on a supprimé aussi D ou B. Ouais, B. Bon, voilà. Et la propriété d'une décomposition arborescente, c'est donc être composé de ces nœuds qui sont des parties de mon graphe. Enfin, qui sont des... Non, qui sont des... Oui, des parties de mon ensemble de positions. Telles que chaque position dans le graphe de départ est maintenant représentée dans au moins... Un des nœuds de mon arbre, ça c'est la première condition. La deuxième, c'est que pour toute adjacence dans mon graphe de départ, je trouve les deux extrémités de cette adjacence dans au moins un nœud de ma décomposition arborescente. Ce qui veut dire que quelque part, je suis capable de tenir compte de cette décompendance en regardant juste l'arbre. La dernière contrainte, elle est importante aussi, c'est que si je trouve une position dans deux nœuds, alors je trouve cette position dans tous les chemins, dans au moins un chemin menant ces deux nœuds. Enfin, pour le dire autrement, voilà, le sous-arbre, voilà exactement, le sous-arbre induit par la présence d'une de ces lettres dans les nœuds est connexe. C'est une autre façon de le dire. C'est un sous-arbre connexe. Oui, c'est un sous-arbre. Ok. Effectivement. Bon voilà, et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on prend une décision à un moment donné, ici par exemple pour la position E, on va pouvoir la propager d'une certaine façon, et on va pas l'oublier pour lui la réaffecter à quelqu'un derrière. Donc c'est vraiment très simple, je sais pas, peut-être il y a moyen de le rendre beaucoup plus intimidant, mais moi je trouve que c'est vraiment quelque chose de très simple et très naturel quand on va vouloir faire de l'algo sur un graphe. Et voilà, une fois qu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? Bah moralement on va à chaque fois affecter une variable en passant d'un nœud à un autre, donc ça c'est une petite restriction mais sans perte de généralité sur les décompositions arborescentes. Et à chaque fois, quand on va vouloir compter le nombre d'affectations possibles à partir d'un sous-arbre, ben on va se dire, bon, ben, supposons que j'ai déjà affecté D et E, quel est le nombre de positions, enfin de valeurs possibles pour A et pour les fils de la position que je suis en train de regarder. Voilà. Et donc là, il y a une jolie équation de récurrence qui est très très familière, j'imagine, puisque c'est vraiment somme produit, voilà. Donc produit sur les fils et puis somme sur toutes les affectations possibles pour le nouveau nucléotide, celui qui est là. Voilà. Et on va peut-être ajouter en plus, et là j'ai oublié de le faire, un petit terme ici, ou alors un conditionnement à droite qui va dire si j'ai une paire de bases dans ce truc-là qui implique la nouvelle position, je vais aussi tester qu'elle est bien respectée. Si elle n'est pas respectée, ben je n'inclus pas de contribution pour ce sigma. J'ai oublié de l'écrire explicitement, mais voilà. Et donc voilà, maintenant qu'est-ce que ça vous donne? Ben, ça vous donne finalement une équation de récurrence, et à chaque fois, vous allez avoir besoin finalement de calculer, de prendre en considération un peu toutes les combinaisons, toutes les lettres possibles affectées à chacune des positions dans un paquet, dans un nœud. D'accord? Et donc ça, au final, ça va vous donner un algo qui est de complexité. Alors normalement, ce serait du 4 puissance W ou W et la largeur arborescente, c'est-à-dire la plus grande taille possible d'un paquet ici. Ok? Puis il y a des graphes qui sont très compliqués pour lesquels on a besoin d'une grande largeur arborescente. Mais là, dans ces cas-là, on est relativement épars et donc du coup, on s'en tire bien. Et puis alors, pourquoi est-ce qu'on retombe à 2? Alors, je pense qu'il y a eu un bug. Oui, d'accord, il y a eu une interversion, excusez-moi, entre les indices. La complexité ressemble plutôt à ça, voilà. Pourquoi c'est un 2 plutôt qu'un 4? C'est parce qu'en fait, comme vous avez vu que le graphe de compatibilité, il est biparti et qu'en plus, nos sous-arbres induits, enfin, sont des arbres, sont des sous-arbres et sont fortement connexes, alors on n'a que le choix à chaque position entre deux positions différentes, entre deux affectations différentes. D'accord? Bon, voilà. Alors on peut aussi généraliser tout ça et faire la même chose dans une distribution pondérée, donc il va manquer le terme là, en rajoutant des petits bonus ici correspondant aux incréments d'énergie liés à l'affectation d'une nouvelle position.
Et grâce à ça, en accumulant ces termes-là à l'exponentielle, on va finir par reconstruire l'énergie de chaque structure pour la séquence qu'on a choisie. Et donc ça, ça permet vraiment de calculer la fonction de partition au sens le plus général, celui de la physique statistique, mais cette fois-ci sur les séquences, pas sur les conformations moléculaires. Et on peut faire de la génération pondéresse qui permet de faire derrière du Boltzmann multidimensionnel, bon, ce qui permet dans un premier temps de récupérer le nombre de stables pour ce graphe, et ensuite derrière de faire du Boltzmann multidimensionnel dans lequel on va engendrer chaque séquence selon son poids total. Et en faisant du rejet, un rejet qui est efficace puisque les variances ici sont en général en N, on va avoir un écrasement si on tolère un petit pourcentage autour de l'erreur, en général on va finir par capturer la distribution. Maintenant on est capable de contrôler ces choses-là sans un surcoût trop important. Et le problème principal, enfin le truc qui est vraiment fait avec les pieds dans le papier qui s'apprête à paraître, c'est de faire des itinérations numériques efficaces de façon à déterminer le poids qui va nous permettre de faire coïncider l'espérance naturelle des énergies dans ce générateur avec celle qu'on attend. Voilà. Et sur ce, je vous remercie et je réponds à vos questions, quoi.